Chers amis, bonjour. Alors écoutez, je vais me le permettre en guise d'introduction. Qui jouera verra, parce que si on ne joue pas, on risquerait, comme dirait l'autre, de l'avoir dans le baba. Alors, donc il faut se rendre à Nice, évidemment pas pour compter ni les pâquerettes, ni acheter du terrain, parce que c'est un match, compte tenu de la situation de l'équipe en ce moment, qu'il ne faut pas bouder. D'ailleurs, il ne faut pas bouder tout court la position de Montpellier, toujours en course en Coupe de France et toujours concernée comptablement par le championnat. Maintenant, Andy Delors, qui n'a jamais trop de retenue dans son propos, n'a pas manqué de dire, parce que le temps passe et à force de dire que ça va bien finir par venir, il faudrait bien que ça vienne à l'Alliance Riviera de Nice. Pour lui, pas de doute, pour rester concerné par la lutte, dans la lutte pour la cinquième place, il faut gagner ni plus ni moins sur la Côte d'Azur. En tout cas, ça fait un moment qu'on se dit ça et qu'à chaque fois, on l'a vu à Lille, on se fait égaliser à la fin ou contre Marseille, des matchs un peu frustrants parce que tu as l'impression que tu peux les gagner et au final, tu sors qu'avec un point. Pour moi, je pense que là, c'est la. Ouais, si on veut espérer quelque chose en championnat, il faut aller gagner là-bas. Alors, l'OGC Nice, ça n'est pas quand même le football club de Portiragne, sans faire injure à nos amis de Portiragne. Toujours est-il qu'en y regardant de plus près, c'est quand même la seule équipe jusqu'à présent en Ligue 1 qui a perdu deux fois contre la Lanterne Rouge dijonnaise. Ça, c'est un premier point. Ensuite, c'est une équipe qui a perdu 8 matchs à domicile. Ça n'est un second et ça ne va pas entamer notre enthousiasme initial. Maintenant, il faut aussi dire que nous-mêmes restons sur une seule victoire pour 6 matchs nuls. Nous avançons comme des escargots et ça ne pourra pas durer dans l'optique de titiller les Lensois pour la 5e place. Michel Derzakarian a été interrogé sur le fait que son équipe pourrait peut-être déjà avoir la tête vers la Coupe de France et le tirage au sort des demi-dimanches. Lui, c'est clair, c'est net et c'est précis. Je pense qu'il n'aura pas à répéter ce message. La priorité, c'est le match qui arrive. Et celui qui arrive, c'est sur la Côte d'Azur dimanche. Ah oui, on est focus sur Nice déjà. Priorité, c'est toujours le match qui arrive. On est très content d'être en demi-finale. Maintenant, en coupe, la priorité, c'est... C'est le pain quotidien, hein. C'est Nice qui arrive, à nous de bien le préparer. Allez, c'était un bon souvenir, mais ce n'est qu'un souvenir, celui du match aller que nous avions remporté 3-1 avec l'historique doublé de Daniel Congré. Nous espérons que Daniel soit aussi inspiré dimanche à Nice qu'il l'a été lors du match aller à La Mosson. Voilà, c'est un petit clin d'œil et c'est un match que nous suivrons bien sûr en direct à l'Alliance Riviera de Nice. C'est un match que nous vivrons dimanche sous un beau soleil, paraît-il. Coup d'envoi 13h sur tous les supports sociaux du MHSC. Le rendez-vous est donné. Voilà. Allez, allez, allez.